Le coup suivant que nous allons voir est le coup de genou. Ce coup est fantastique, car notre objectif n'est pas la tête, qui est un endroit que n'importe quel adversaire défendra normalement. Le coup de genou est utilisé pour frapper la partie interne de la cuisse ou l'entrejambe. Comme nous pouvons voir, il rompt l'équilibre de l'adversaire suffisamment pour exécuter le coup additionnel nécessaire. Quand vous envoyez ce coup, s'il vous plaît, comprenez bien que le succès du coup dépend du fait que vous utilisiez tout le poids de votre corps en envoyant le coup. Le pas initial vers l'objectif est essentiel pour se retrouver suffisamment près de la personne pour engendrer de la puissance. Quand le genou frappe, la partie interne de la cuisse ou l'entrejambe, veillez à poursuivre en lançant le genou vers l'avant, parce que cela rompra complètement l'équilibre de l'adversaire et, comme vous pouvez le voir, il ira souvent au sol. It's coming on there. Boom!